si vous pensez que certains seniors, pas tous, mais ont des diminutions de leur productivité. Quoi ? Vous considérez que la rémunération des seniors devrait diminuer avec moins payé. Je ne souhaite rien du tout. Si, si. D'expérience aussi. Si, si. Bon, alors, mais ça dépend des métiers, ça dépend des configurations, effectivement. Mais vous avez aussi des seniors qui sont un peu obsolètes, et donc on pourrait imaginer, ah, par exemple, les clodos. Vous avez beaucoup de seniors qui, en fin de carrière, sont repositionnés sur des tâches moins exposées, avec moins de management, par exemple. Et il n'est pas totalement aberrant, il serait pas totalement aberrant, dans certains cas, que les salaires diminuent un petit peu ou soient modérés. T'es vieux, t'es en fin de carrière, t'es finito, mon pote, finito pipo. On va arrêter de te payer comme t'as été. Oui, t'as donné 40 ans dans ta boîte qui te déteste. Mais la boîte a dit, au moment où tu sers plus à rien, on va plus te payer. Mais quel enfer! Quel enfer! On est quand même dans un monde où il y a des gens qui veulent moins payer les gens parce qu'ils sont vieux. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'ils partent à la retraite, les vieux. C'est que dès que t'as 55 ans, on t'euthanasie. Voilà. Comme ça, au moins, les patrons, ils auront plus de problème. De faire en fait que les vieux fassent une sorte de formation, tu sais, qu'ils soient à mi-temps et qu'ils se disent, bah tiens, je vais aider les jeunes à s'améliorer, tu vois. Comme les vieux, ce qu'ils aiment bien, c'est dire que les jeunes sont nuls, au moins comme ça, ils pourront les aider à mieux travailler, tu vois. Ah, et puis c'est vrai que. Moi, je les comprends parce que. Je comprends le mec. Parce qu'en fait, les vieux, ça mange pas, ça mange moins, ça respire moins, ça. Tu vois, ça fait moins de choses. Ils ont moins besoin d'argent pour survenir à leurs besoins, tu vois. Donc, ils ont. Tu sais, ils se lavent moins, ça pue un vieux, ça se lave moins. Les fringues, elles sont moches, les fringues de vieux, elles doivent pas coûter cher. Donc ils ont pas besoin de cet argent, il a raison cet homme. Moi je suis pour le départ à 55 ans à la retraite. Ce qu'il faudrait faire, c'est aligner les retraites publiques au privé, public et sur les 6 derniers mois. Ben oui, non mais oui, mais toujours aligné au public, hein, pas au privé. Tu vois ce que je veux dire? Aligné, parce qu'en fait en France, on aligne toujours au truc qui gagne le moins d'argent ou le truc le plus nul. Tu sais, alignons au truc le plus cool. Dans Soleil Vert, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en fait, les vieux, ils sont tués et transformés en gâteaux pour donner à manger aux jeunes qui travaillent. Je trouve ça fabuleux. Ils sont. Tu sais, il y a une sorte qui roue. Il y a une roue qui tourne comme ça. La roue qui tourne. La roue tourne qui tournait. On rigole, hein. Attention. Là, parce que je sens que ça commence à être le premier dog dans le chat. Hein. On rigole. Hein. On est là pour. C'est de l'humour, hein, qu'on me fait. Bien entendu.